Coucou, bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle émission. Le concept est de vous montrer en pratique certains codes de composition musicale dans des musiques type musique de film dans un premier temps, et ceci en classant les compositions par genre. Concrètement, aujourd'hui, je vais composer devant vos yeux ébahis un morceau de bout de musique exposant un type d'ambiance légère slash humoristique. Alors, la base du type de morceau qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui se constitue de deux codes principaux. Après, on pourra agrémenter ça de divers ajouts et ça nous permettra d'avoir un morceau un peu plus vivant. Mais les deux codes principaux sont les suivants. En 1, l'utilisation massive de notes courtes avec beaucoup de pauses et ceci même à la basse. On va privilégier les cordes en staccato, donc on va leur faire jouer des notes bien détaché, ou alors en pizzicato, pour renforcer l'humour. Pizzicato, c'est la façon de jouer d'un instrument à cordes, type violon. On va plutôt pincer les cordes avec le doigt, plutôt que frotter les cordes avec un archet. Au violon, ça donne ce genre de truc, et au violoncelle, ça donne plutôt ça. Voilà pour les exemples. Et le deuxième code principal pour ce type de compo, c'est l'utilisation du mode majeur, tout bêtement. Ok. Et bah c'est parti, on va utiliser mélodie assistante, dites bonjour, merci. Alors on est parti pour les notes rapides. J'ai décidé de faire un orchestre comme vous le voyez ici, composé en cordes, on va les jouer en pizzicato tout le temps, à pas se faire chier. On va mettre deux clarinettes, parce que je l'ai pas précisé mais ça marche très très bien hein, pour ce style de musique comique. Et puis on va évidemment ajouter le basson, parce que c'est un instrument très drôle, je le pense sincèrement. Faire des octaves, ça marche très bien. Alors, le copier-coller, ça marche aussi en musique. Tac. Alors, on va faire maintenant la clarinette. Des notes très rapides, donc qu'est-ce que c'est ça? C'est une double croche. Voilà. Ah, ta gueule. Changer la basse un peu. Oh, c'est bien mieux comme ça. Bon, vous avez une idée de suite de mélodie là? Je me sens un peu con là. Allez. Une pause. Une pause. Ah. Ah. Voilà, on a une petite phrase musicale ici. Ça, c'est très moche ça en fait, mais c'est très très moche. Oh oui, on est très dans l'humour là. On sent le... On rigole bien là déjà. Je pense que c'est très drôle. Moi je pense que c'est très drôle. Alors, on va continuer dans cette voie là. Moi j'ai envie de faire quelque chose de répétitif. Donc on va copier et coller tout ça. Et ça, cette clarinette là, hop, on va la mettre en deuxième clarinette. Et qu'est-ce qu'elle va nous jouer la première? Elle va changer, mais elle va faire un peu la même chose aussi. Déjà, on va changer ça, on va mettre à la tierce. Suspense. On a trouvé le truc bien là. On a trouvé le truc qui va nous faire vendre des albums, des milliers d'albums. Ça en supprime, on va faire autre chose. Qu'est-ce qu'on constate? Ici, il y a un souci. Moi, ça me gêne à l'oreille. En fait, cette descente sur les 2-3 notes, c'est la même. Et je déteste ça. Voilà, donc on va créer un peu d'harmonie pour enrichir le truc. Donc il faut changer cette partie-là, parce que cette partie-là, en fait, elle me plaît. Voilà, je trouve ça bien. Donc,
On va changer et on va augmenter un peu ces notes-là. Là, on a une bonne base, je pense. Alors, maintenant, on va créer un peu d'harmonie et on va utiliser le basson pour commencer. Je vois bien des arpèges avec le basson. Alors, pour créer un peu plus de décalage, moi, j'aimerais bien supprimer cette note. D'accord, l'ensemble. Bah ok, d'accord, pour faire un peu plus de variation, on va changer ici le basson. Donc là, il y a un problème, puisque ici, on descend. Sur la descente, on va créer une descente aussi au basson, donc ça nous fera ça. Voilà, mais pourtant c'est les mêmes notes qui sont jouées. On va décaler l'accord en fait vers le bas. Oh là là, le plus important, les pizzicato des cordes. Ok, le violoncelle déjà. Je vais copier ce que joue la contrebasse sur le violoncelle et on va donc déjà l'augmenter d'une octave. Et ensuite, on va créer des petites variations histoire de. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais rajouter des notes. Bien. Ça me plaît bien, ça. C'est un bon petit violoncelle. Et voilà. Bon, bah qu'est-ce qu'il nous reste? On va faire les deux petites parties de cordes. Alors, j'ai envie de donner un peu plus d'entrain à la musique. Alors pour ça, on va utiliser des doubles croches. Voilà. On va copier-coller, comme d'habitude. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien. J'ai fait jouer la même chose entre les premiers et les seconds violons. À une différence près, c'est que ces notes-là sont à la tierce inférieure par rapport à ici. Et on va copier-coller. J'ai envie de refaire la même chose ici et ici. Ça va être plutôt drôle. Et voilà. Ok. Copier-coller. Et là, je pense qu'on a un truc pas mal. J'ai oublié la note finale. Alors, on fait une harmonie dans la note finale hein, pour bien souligner l'effet majeur. Ah oui, un petit final pas mal, ça peut être de faire... Parfait. On sauvegarde, très important. Compo drôle. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la moulinette un peu ce morceau et je vais le faire jouer par des sons un petit peu plus stylés que ceux de Melody Assistant, qui est un très bon logiciel, mais qui a des sons un petit peu pourris. Vous les appellerez facilement des sons MIDI. Je vais sûrement en profiter pour rajouter des petites percussions type xylophone, des choses comme ça, des trucs un peu drôles, histoire de, comme je le disais, agrémenter et rendre le morceau un petit peu plus vivant. Et on va voir ce que ça va donner. Dans le générique de fin, je vais vous passer le morceau final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à la partager, on ne sait jamais, ça peut plaire à des gens. Cette vidéo, je l'ai faite en attendant la partoche 14 qui est en phase d'écriture, et ça arrivera quand ça arrivera. Je vous tiendrai au courant sur Facebook, Twitter, ce genre de choses. Je vous dis à la prochaine, et je vous fais plein de bisous.